Je m'appelle Geneviève et je suis l'animatrice du Centre de ressources et de documentation CAPRI. Ce centre a été créé en 1995 à l'initiative des organismes de recherche et développement de la région. Le but était de collecter et diffuser les résultats de leurs travaux auprès des éleveurs de la filière caprine régionale. Mais il était aussi question d'accompagner les ingénieurs et les techniciens dans leurs besoins en documentation scientifique et technique. Le CRDC a plusieurs moyens de communication. Le site du CRDC, la base de données Gottlieb, mais aussi un service questions-réponses. Il suffit d'envoyer une question par mail ou par téléphone, plutôt par mail, et ensuite une réponse vous sera faite dans les meilleurs délais. Il peut aussi être question de diffusion de bibliographie à la demande, c'est-à-dire que si un thème vous intéresse et que vous voulez savoir, par exemple, mensuellement, les nouveaux articles qui sont sortis sur ce thème, vous pouvez également en faire la demande. Revenons au site du CRDC. Le site du CRDC est un site portail, c'est-à-dire qu'on y trouve des infos, on y trouve les sources d'informations. Vous n'avez pas forcément toutes les informations sur ce site. Voilà, mais vous trouvez les sources d'informations qui sont diffusées dans d'autres sites. Par exemple, sur la filière caprine, vous pouvez avoir les informations sur les résultats technico-économiques que vous trouverez sur le site de Lidl, mais également vous trouverez des choses sur l'ANICAP, la FNEC. Sur le côté droit, vous avez toujours ce qu'on appelle un classeur technique. Ce sont des fiches techniques qui sont en accès libre et que vous pouvez consulter. Donc, vous en avez sur, par exemple, les résultats technico-économiques, mais vous en aurez également sur tout ce qui est élevage, alimentation, bien-être, pathologie, mais également concernant tous les produits. Un autre moyen de communication des données est donc la base de données Gottlieb, sur laquelle vous trouverez les références d'articles, de journaux, de revues, des thèses ou également d'ouvrages parus sur la filière caprine, l'élevage caprin ou la transformation laitière et fromagère. Vous faites une recherche par exemple sur pâturage et vous avez un certain nombre de références qui vont vous être présentées. Vous pouvez les trier par date, ne chercher que sur la langue française, affiner par d'autres mots-clés. Et si par exemple quelque chose vous intéresse, vous cliquez dessus, vous avez tout le résumé. Dans le cas présent, cet article est en ligne, vous pouvez y accéder directement. Si ça n'avait pas été le cas, vous cliquez sur le panier et ensuite vous allez sur votre panier et vous m'envoyez la demande en cliquant sur cette petite enveloppe. Si vous voulez en savoir plus ou contacter le CRDC, voici toutes les informations nécessaires.